La taille de restructuration, c'est quand même vachement important et c'est ce qui manque dans la plupart des bouquins, en fait, pour reconnaître nos arbres. C'est-à-dire que si j'ouvre un bouquin et que je dis, bon, bah alors mon arbre, là, il est comment? Il est pleureur, planétaire, fort en tête. Bon, là, on le voit fort en tête, mais on ne sait pas. Délicat de dire, hein, non? On voit quand même un petit peu, mais... Ouais, voilà. Exactement. Mais c'en est un, hein, puisqu'en fait, tu as raison, s'il était fort en tête, on aurait ces branches-là, qui auraient été comme ça, et on aurait des coupes là. Donc là, ça veut dire qu'il y a clairement eu des branches qui ont été subordonnées à un moment donné pour se retrouver horizontales. Et s'il était pleureur, il toucherait pas. Et s'il était pleureur, voilà, on aurait des couches successives, et on aurait sans doute déjà des branches ici qui commenceraient à pleurer. Donc on est bien sur le rapport planétaire, bravo. Probablement, mais on a eu un problème, je sais pas quel problème qui fait qu'on n'a pas accepté d'aller ramasser les pommes trop haut. On voulait pas des pommes en haut, alors du coup on a coupé le haut. Mais ça nous a pas donné davantage de pommes en bas, ça. Oui, et puis c'est sur un arbre déjà vieux. Donc on a cherché à avoir un arbre bas et petit avec un vieil arbre, probablement sur un porte-greffe quasiment franc là. Hein. C'est pas, on n'a pas être loin, on a beaucoup de vigueur hein, quand on voit la taille des pousses. Donc là, on se retrouve bien avec une forêt de pommiers qui pousse sur notre pommier. Donc, au niveau efficacité photosynthétique, on n'est pas trop mal là maintenant. Mais par contre, au niveau fructification, ça va être très compliqué. Et ces arbres-là deviennent ingérables. Parce qu'on se retrouve avec des branches qui commencent à fructifier. Et quand elles commencent à fructifier, vous voyez la finesse. Et elles vont commencer à fructifier sur des rameaux latéraux qu'on commence à voir les jeunes petits rameaux qu'il y a latéraux ici. En dessous, elle n'en a pas fait puisqu'il y avait trop de concurrence. Et donc ces petits rameaux, ces petites lambourdes là vont commencer à fructifier et juste deux pommes suffisent à faire basculer la branche. Et donc du coup, ça va être Beyrouth là. Tout va s'ouvrir et ça va faire des basculements successifs avec des branches qui vont basculer puis rejeter et puis de nouveau basculer. Donc on va avoir des espèces de couches successives. Si on repasse 10-15 ans plus tard, on aura un arbre avec des couches et des couches et des couches de branches et avec toujours des rejets neufs qui remplacent, alors que c'est pas son port en fait. Mais il n'y a pas le choix puisqu'à chaque fois c'est cette concurrence qui génère ça. Et bon, peut-être que dans 20 ans il commencera à arriver à ressembler à quelque chose de structuré. Donc il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Première des choses, il va falloir sélectionner un certain nombre de pousses. Donc on ne peut pas laisser toute cette concurrence là, c'est pas possible. Donc essayer de faire en sorte d'avoir un certain nombre de pousses qui pourraient correspondre progressivement à une charpente cohérente sur la partie aérienne de l'arbre. On va quasiment pas toucher à ce qui se passe en dessous hein, parce que ça se passe pas trop mal. On voit bien hein, d'ailleurs l'indépendance architecturale. On n'a pas de rejet là hein. On est bien sur un arbre, des arbres, un arbre. Donc on va sélectionner des rejets. Ça sert à rien de le faire très très tôt. Si vous le faites très très tôt, vous allez avoir des grosses réactions. On va attendre 3 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant de commencer à sélectionner ces réitérations retardées. Et puis pas trop longtemps non plus, parce que si vous avez des grandes tiges, vous voyez, il faut qu'ils arrivent à se structurer relativement rapidement. On va chercher à recréer une hiérarchie dans l'arbre. Et comme on ne peut pas se fier à la capacité des hormones pour le faire, puisqu'on a une indépendance de toutes ces pousses dans l'arbre, il va falloir qu'on simule et qu'on travaille à subordonner les branches latérales aux branches verticales. Donc on a ces deux parties basses, et puis on a toutes ces tiges-là. Et donc ces tiges-là, pour éviter d'avoir une trop grosse concurrence, il va falloir arriver non seulement à sélectionner d'abord, en enlever une certaine partie. Vous voyez là, on en a enlevé les deux tiers. Hein. C'est bien à peu près à chaque fois ce qu'il faut faire. Il faut en enlever énormément. Garder celles qui nous paraissent le mieux orientées, le mieux positionnées par rapport aux branches d'en dessous. Quoi, hein. On ne va pas garder une grande tige qui pousse sur une petite branche. Quoi. On va garder celle qui est bien ancrée au bon endroit sur l'ancienne charpente. Et puis après, on va hiérarchiser. Soit en courbant, c'est-à-dire en prenant les branches latérales, en les courbant à plusieurs niveaux successifs, soit en taillant sur des rameaux courts, hein,
En taillant, on pourrait tailler très bien sur des rameaux courts, de manière à faire en sorte que les branches ici puissent se latéraliser et que les branches ici puissent aussi se latéraliser. Donc on va créer des étages de fructification, des étages de basculement, et ça, petit à petit, ça va nous refabriquer un arbre avec une charpente hiérarchisée qui va nous permettre de nouveau d'avoir une structure pérenne en place qui n'aura pas tout à fait la même allure que si elle était naturelle, mais qui ressemblera bien plus et qui surtout pourra porter des pommes sans basculer systématiquement, quoi. Bon, là, c'est dommage parce que je suis un peu déficient sur les photos parce que j'en ai fait plein d'arbres comme ça où ça marche pas mal et je les ai pas en photo. Mais là, ça monte par exemple sur une première. Donc là, une première fois, c'est dommage que je n'ai pas pris la photo après, mais là, j'ai la branche, j'ai sélectionné un certain nombre de branches, vous voyez le nombre qu'il y a ici, et là, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, peut-être 5, hein, et donc pas guère plus, donc 5, et j'ai laissé celle-là en entier, et après, j'ai réduit les autres, et donc je m'aperçois que j'ai bien une dominance qui est en train de se créer ici, et petit à petit, j'ose imaginer que la hiérarchisation des branches, va se faire. Voilà l'idée. Bien. Je suis pour arrêter là.